Je vous présente peut-être ou peut-être pas. Alors lui, Frédéric... c'est sûr, ils vont pas l'appeler lui. C'est sûr. Patrick Frédéric Sigrist. Voilà. Voilà. Vous le connaissez? Oui. Ah, c'est bien. Ben, je l'ai vu. Je viens de le voir à l'instant. Je l'ai vu dans un écran de télé il y a à peu près quelques mois. C'était Alex, le défenseur du PSG, non? Patrick Fiori, bonjour. Alors, je dois vous avouer, bonjour. Pour moi, ça a été un peu délicat de faire une chronique sur vous parce que vous n'êtes pas noir. Vous chantez Quoique en français. Il y a des moments où je broie du noir. Ah, hein, peut-être, mais moi je suis très superficiel. Bref, vous chantez en français et vous n'avez pas eu de succès dans les années 70 aux États-Unis. Donc, autant dire qu'il y avait très peu de chances pour que je tombe sur une chanson de vous chez moi. Alors du coup, j'ai commencé à flipper, surtout quand j'ai commencé à recevoir des mails de menaces venant de votre fan club. Alors je les ai avec moi, hein. Monsieur le chroniqueur sans talent, si t'es pas gentil avec Patrick, on t'explose comme un vendeur de fringues à Booba. Signé Audrey 75. Ce ne sont pas les muses qui inspirent Patrick Fiori, c'est Patrick Fiori qui inspire les muses. Colonna du 2B. Remercie les dieux de pouvoir respirer le même air que Patrick Fiori pendant une demi-heure, espèce de philistin. Signé Colargol 92. Celui-ci très très bien. Si tu serres la main de Patrick Fiori, tu bénéficieras d'une érection de 9 jours. Signé Mamadou 81. C'est un mec fou, hein. Bref, je me suis senti un peu comme un ministre du travail dans un gouvernement Hollande, hein. J'avais la pression. Et puis soudain, miracle, dans votre bio, et ça tout est véridique, hein, j'ai découvert que vous aviez interprété je pense que ça va vous surprendre aussi, mais les chansons de deux de mes dessins animés préférés, Le Prince d'Égypte et Mulan. Exact. Ça plus violent que le cours du temps. Comme un homme. Ça découle, hein. Mais ça c'est une chanson, mais ça sent la testostérone. Et là vraiment je vous dis merci Patrick, parce que cette chanson ça a aidé mon couple. Non c'est vrai. Avant, comme un homme. Parce que moi faut comprendre, à chaque fois que je sortais, je devais aller voir ma femme, lui dire excuse-moi ma chérie, est-ce que tu veux bien me prêter mes couilles parce que je dois avoir des potes et je voudrais pas avoir l'air trop ridicule. Non, bon bah c'est pas grave, je ferai sans. Mais avec ce morceau dans mon iPod, mais comme un homme, j'ai l'impression que pendant 2 minutes 30, je suis un mâle alpha. Ce qui tombe bien, hein. Ce qui tombe bien parce que 2 minutes 30 chez moi, c'est 30 secondes de plus que ce qu'il me faut pour faire l'homme. Ah, alors du coup aujourd'hui Patrick, pour vous remercier, je vais vous faire le questionnaire un homme, un vrai, de Samedi Romanoff. Musique s'il vous plaît. Patrick Fiori, un homme, ça paye l'addition, ça paye une pension ou ça paye son avis d'imposition? Ça peut payer les trois. Oh, un gourmand. Patrick Fiori. En tout cas, l'addition toujours. Je préfère, comme ça au moins je me fâche avec personne. Je préfère payer. Ah oui, vous invitez toujours tout le monde au restaurant? Génial. Bah, c'est-à-dire que si personne sort la carte bleue, je la sors. Attention, parce que c'est dans, bon, dans le public, il y a des crevards. J'ai faim. Non, c'est pas ça. J'ai faim. Bah, ils vous ont tous regardé. Il y a une chanson dans l'album qui s'appelle Tu connais tout. Cette chanson, parce qu'il y a elle, évidemment, il y a tout ça, mais il y a une chanson qui s'appelle Tu connais tout. On a tous autour de nous des radins, des mythos, des gens qui ont 18 vies, tout ça, mais ces gens-là sont quand même nos amis et on les aime. Donc, je préfère payer l'addition. Quand je dis payer l'addition, c'est que comme ça, je me fâche avec personne et je me dis pas, arrivé à la maison, mais t'as vu, en plus, Cyril, à chaque fois, c'est moi qui casse, que lui, casse que jamais. Voilà, je veux pas me poser ce genre de questions parce que je veux que l'amitié soit prédominante, quoi, qu'elle reste avant que tout. Ah, vous êtes un vrai logo. Je vous disais que c'était pas une histoire d'argent. Arrêtez, ne tombez pas dans le panneau. On continue. Patrick Fiori, un homme, ça tient tête, ça tient l'alcool ou ça tient sa famille? Ça tient sa famille. Ah, il est fort. Parce que c'est tout le reste en fait, ça tient tête, ça tient l'alcool. Et... Vous allez pécho en sortant d'ici. Ouais, grave. Savoir, hein. Patrick Fiori, un homme, ça se bat, ça débat ou c'est juste obsédé par les bas? Ça débat, c'est sans arrêt en train de débattre, en train de se justifier, en train d'expliquer les choses. Quand même un peu faux cul, j'ai l'impression. Non, parce que un homme, c'est un peu la moitié d'une femme, on passe 9 mois dans le ventre d'une femme, donc on est un peu féminin, donc ça débat, je dirais. Voilà. D'accord. Patrick Fiori, un homme, c'est plutôt le fils de sa mère, le mari de sa femme ou le papa à sa fifi? Ça reste pour très longtemps, et on le sait, le fils de sa mère. Vous n'avez pas encore une fille? Non, et puis après, ça passe au mari de sa femme, hein, voilà. Patrick Fiori, un homme d'après vous, ça a des poils? Ça rase ses poils ou c'est mieux à poil? Ça rase ses poils.
Eh oui, oui, parce que. Voilà. Non, mais je vais pas vous le dire, ça c'est une histoire de technicien. Non, 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 oh, non, si je dis ça, je vais me faire tuer par ma femme. Non. Parlons épilation. Patrick, merci pour toutes ces réponses. Vous ne vous en rendez pas compte, mais après avoir répondu à ce questionnaire, il y a plus de 500 000 auditrices qui viennent d'entrer en phase d'ovulation. Au nom de la démographie française, je vous remercie, Patrick Fiori. Mais je vous en prie.